C'est un Jace touché de feu mortel. Donc en gros le mec va partir full poke quoi. Après je sais pas si c'est mieux que de jouer Thunderlord. C'est en vrai genre surtout qu'il joue Ignite tu vois donc Jace c'est pas comme si t'avais pas une bonne pression de kill. Enfin ouais tu vois il a vraiment les moyens d'aller chercher les kills sur sa lane quoi. Il a un bon burst et tout sur Tank and Ignite. Je trouve ça dommage de pas jouer Thunderlord. Surtout qu'en plus de ça bah nous enfin à part Tahm Kench on est quand même relativement squishy. Allez, let's go. Oh fuck! Ça poule le petit, unlucky ça. Merci. Nice. Je vais battre. Voilà, toujours. Vous tuez les petits d'abord. Mais pensez à utiliser le stun du Krug sur le gros. Ça fait la différence. C'est le plus optimal au niveau des points de vie. Ok, nice, pas dégueu. Je regarde surtout comment ça se passe top mid en fait pour voir si j'ai une opportunité. Je vais juste pull le raid un peu sur le côté. Si jamais Rengar décide de me cheese. Il a Thunderlord hein, donc faut quand même que je respecte son early game. En gros la Lee Sin contre Rengar avec double Thunderlord c'est celui qui tombe sur l'autre le premier qui gagne le trade quoi 100%. Je sais que c'est en fait c'est pas wardé mais juste il joue safe. Donc on va juste prendre le blue buff. Si on peut. On a le buff de la river, enfin on a le carapateur dans la river si jamais Rengar arrive, qu'on est safe. Plus une trinket pour pouvoir ward dash. En vrai c'est my bad, j'aurais fait gaffe à ça quoi. Mais je pensais pas que genre GPL laisserait Kennen décaler sans me prévenir. Mais en soi c'est mon erreur. En mode faire attention à ça quoi. Fuck, c'est tellement de la merde comme mort ça. C'est vraiment de la bonne grosse merde comme mort quoi. Bon. Alors si c'est étonnant qu'il sache que je sois sur le bleu. Sa river était pas wardé, y'a pas d'infos. Oh ouais. J'ai une gaffe à Rengar dans le coin. Oh, il est pas là, kill les bots. Je gank mid. Ok, on va tenir mid. Ça. Ça sert rien que je gagne top. Le GP va juste dépush et back. On va juste back off, on va les aider bot side. Ils sont en train de hard dominer, faut qu'on les cover. Attends, top, en train de jouer sa vie. Ok, nice. Je vais t'aider à push ça du coup.
Oui, j'avais pas prévu de d'aller top. Mais si d'un coup le GP se met à jouer aggro, évidemment on va le cover quoi. Voilà, on va dire à la botlane que Rengar peut juste. Enfin, c'est la seule option qu'il a Rengar actuellement, c'est d'être bot. Qui peuvent, ils ont juste à jouer safe, attendre que j'arrive. Voilà, on va leur dire qu'on arrive. Juste à attendre. Bon, ouais, du coup, on va dire que ma mort est worse. Son mail double buff sur GP. Attention, vraiment faites gaffe. Rank 1, j'avais pas vu le pseudo du thème. Très bonne référence. Hey, merci à toi, Pamini dans AFK pendant 3h14. Je suis désolé, on est un peu buzzy là. Ok, lui aussi est mort. Pas par là. Je le flash s'il faut. Vas-y, go go go, il te tuera pas, mec. Oh, pas. Voilà. Oh, je pensais qu'il allait recracher direct. Ok, nice. Ok, super taf ça. J'ai eu peur que Tristana récupère son jump là. Parce qu'en gros, elle a. Le Jhin est mort et elle avait genre tout juste 100 PV. Et si elle avait pu jump out, ça aurait été terrible. Enfin, ça aurait pas mis bien en tout cas. Ok, nice. On se met bien là-dessus. Je sais pas si c'est wardé ça. Oh nice, bon après c'est pas grave, je l'ai. Ça m'arrangerait si Katarina pouvait voir mon topside. Cela Rengar va peut-être aller à mon rouge, c'est pas très grave s'il y va. On va faire ça, on va faire un smite rouge, parce qu'on est contre. Bah encore une fois on est contre que des squishy. Alors ils sont full squishy, du coup on va faire beaucoup de fights relativement close, du coup ce métro va être important. Merci à toi à Singe Fury pour mon 3h14, Scanent Streama qui l'a pas dit. Ouais c'est pas genre, même pas sûr, tu sais en soi c'est si, en fait si on avait pas eu l'info là dessus et que c'était wardé alors que je pensais que ça l'était pas, tu vois c'est possible que je me trompe. Mais dans ce cas là le fait qu'ils viennent défendre le bleu est logique. Et d'ailleurs pour le don que j'ai pas lu tout à l'heure, vous inquiétez pas, enfin comme d'hab je lirai après la game, juste que j'ai pas eu le temps de le lire quand il y a eu. Je vais attendre qu'elle dépouche les mines. J'aimerais bien jouer un petit peu agressif sur le Rengar. Ok, Rengar ultibot. On va décaler. On va passer par là, nous, on n'a pas le temps. Hop, et on offre. Oh, dommage. Bah, faut le tuer, par contre. Oh non! Allez, gold dive. Nice. Ok, c'est nickel. C'est Jhin qui a pris l'aggro d'atour. C'est vraiment parfait. En fait, dans ce genre de situation, le top c'est que le personnage range prenne l'aggro d'atour. Du moins, quelqu'un qui est. C'est comme ça que tu vas sortir du bronze facilement. Hey! Merci à toi, François Bro, pour ton resub de 5 mois. Quel est le nom de Dieu? Shoutout à la future Dream Team. Merci, Vince, pour ton resub. Ok, nice, on se met bien dessus. Alors, du coup, là-dessus, on est archi bien. C'est-à-dire, en gros, les compositions quand vous avez Team Squishy contre Team Squishy, la team qui a le lead se met très 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 bien. Parce que, du coup, vous avez tellement d'avance sur les trades, c'est insane.
Oh, what? What? J'ai le choc, mon Kyospell à ce moment-là, ok. Boosté d'animal, what the fuck. Hey, merci à toi, Liajok, bro. Merci beaucoup pour ton resub de 3 mois. Ce sub sound est quand même assez insane. Oh fuck, ça me donne pas mon niveau 9 ça, c'est lucky. Ah, fait chier, j'ai pas de ward. J'aurais eu une ward, j'aurais go là-dessus. Mais. Trinket est en CD quoi. Oh. Ok, on a 2 kills top. Propre. Normalement j'ai le kill. Oh non, oh, pas de chance ça. Ça jouait vraiment pas grand chose. Bon c'est dommage, what? Je suis étonné qu'ils aient pas. Le canon avait vraiment 100 PV, il était un peu en portée d'auto-attaque de Jing. Donc je suis étonné qu'il l'ait pas eu. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. Le mec qui s'aboupe, je vais dire le subsum, c'est aléatoire, non tu choisis pas. Qu'on dive le mec qui se plante au top. Voilà, comme ça. Hop, le Red Smite qui vient secure le kill. Ouais, quand même, faudrait quand même penser à back, là on a commencé à avoir 2500 gold. Fasse gaffe bot. Ok, nice. Est-ce qu'il va venir me cancel? Non. Bon, du coup Sight Stone, vu qu'on a Red Knight et Red Trinket vu qu'on a une Sight Stone. Alors, AD. On fait des ninja tabi. Alors ils ont beaucoup de CC donc c'est discutable. On va vendre ça et on va partir sur un Black Cleaver. Non. Oh. Triple long sword. Qu'on est en train un peu de solo quand même. Faut que Tam vienne m'aider. Si Tam vient, on la défend avec son outil. Allez Tam, s'il te plaît, écoute le coup. C'est pas grave. Dommage, Tam Kench serait venu avec l'ultimate derrière eux, on faisait 2 kills. Surtout que l'ultimate de Tam Kench, là depuis qu'il a été up, c'est ultra rapide, c'est très surprenant. Ouais, on faisait peut-être pas 2 kills, mais on en faisait 100%. C'est pas grave, j'ai PTP, au moins on sauve la tour. On a une bonne avance au tourelle sur eux. Ce serait bien si vous pouvez débloquer la tour mid. Maintenant. On a besoin que Jin et Netam viennent forcer. Okay, dégage le roi. Allez! Sad boys, il y a une ward ici. Allez, prends la confiance, Jace. Oh, fait qu'il joue du mauvais côté. Prends-y un bardo ici. Oh oui, merci Bard. Fuck, par contre le Q-spell c'était pas nécessaire. Enfin, pas nécessaire de le choc quoi. J'étais trop heureux de ce que venait de faire de Bard. Du coup ça va peut-être nous débloquer la tourmine. Kanan n'a pas d'ultimate, ah, normalement c'est gratuit. What? Ah c'est le toucher de feu mortel, ça lui donnait la boîte de tour. Non, il a... Send help!
Mange-moi, mange-moi, à l'aide. Merci. Ok, nice. Oup. Tout est prévu. Black Cleaver, du coup, on a dit. Oh, ok, nice. Petite trinket, enfin, petite ping pour le Ringer, on sait jamais. On a quand même pas mal de réussite. Je veux pas faire le mec, mais on a quand même pas mal de réussite sur cette game. Genre, on a pas mal de chance, je trouve. Enfin, il faut bien, hein, genre, il y a des jours t'as pas de chance, en tout cas. Faire le blue buff, récupérer le dragon vite fait, ils sont tous en topside. En vrai, surtout vu que je pars sur Black Cleaver, donc j'ai pas mal de CDR, le blue buff c'est pas dégueu. Le blue buff sur les signes c'est super intéressant. Un peu sur Kanan, sur Zed. Honnêtement, tous les personnages à énergie font un bon usage du blue. Oh, tu peux attaquer. Dommage. Oh. Oh. J'ai pas check que j'avais plus de ward sur ma side stone. Je suis déçu du coup. Ah, ça va, il... En gros, en fait, avec la position, en fait, la position qu'avait Tahm Kench au début, je pensais qu'il voulait me manger et flash out. Et du coup, quand il m'a recraché en fait sans flash out, j'étais en mode oh fuck la panique. J'ai voulu dash ward, mais j'avais plus de ward sur ma side stone et j'ai. Du coup, je l'ai réalisé trop tard et ma pink était late quoi. Tant que je mette ma pink et que je veuille dash dessus, j'ai pris un shuriken de cannon. Du coup, c'est pas si dingue. Hein. On fait quoi? On fait 2 pour 2. Ah, attends, je crois que Kata est morte dans le fight, non? 2 pour 2 ou 2 pour 3. Alors qu'on a avantage, c'est vraiment pas ouf. Même si c'est un 2 pour 2 et pas un 2 pour 3, c'est pas dingue. Genre, quand vous êtes, quand vous avez l'avance qu'on a. Mince, c'est pas ouf. Oh, nice. Oh, le beau jeu! Hey, merci à toi Tyros, bro! Aïe! Pour ton sub de 5 mois, bro! J'arrive par ici, si toi as besoin d'aide. Oh, dis-moi que t'es loin, dis-moi que t'es loin, dis-moi que t'es loin. Ok, nice. Oh. Aïe. C'est bien qu'on récupère ce dragon quand même. Le red buff est dans combien? Yep. Mais pourquoi je peux pas dash? What the fuck? Je sais pas si vous m'avez entendu spam comme un connard sur mon putain de W. Je sais pas, je pouvais pas dash, c'était très très dérangeant. Contre, hein, on s'est fait démonter là. Ouah, si on peut arnaquer le barbe. Oh fuck. On ne pourra pas. Bon, c'est pas très grave, genre ils ont pris un dragon d'air, quelques kills, c'est pas dramatique. Trap, comme. Bon, dommage. Ok, nice. Normalement je m'en sors. Ok, nice. En plus, je crois que Jayce a flash.
Ah, j'ai pas de range, mec. Pas de range, j'ai 1200 vols. Est-ce qu'on ferait pas un Tiamat en vrai? Ouais, non. Ah, je sais pas. C'est wardé ici, voilà, 100%. Le truc, c'est qu'en fait, genre, bah, contre Kanan, j'aimerais bien garder. Oh! J'aimerais bien, voilà, tu vois, genre, là, voilà, ce que je fais là dans ce fight, c'est exactement ce que je dois faire en tant que Lee Sin contre un Kanan. Je suis juste là pour empêcher le Kanan de fight. Range-moi. Merci. Allez, nice. Let's fucking go, man. Holy shit. Une fois que je suis pas boosté avec les signes en stream. Donc voilà. Ah oui, ça aussi, je voulais absolument vous en parler. En fait, en gros, j'ai pas pu record pendant pendant la Geekfest, je voulais record no game et donc le vocal, etc. Et en fait, j'ai pas pu parce qu'en gros, ils avaient pas pu tester les PC, ils avaient peur que ça fasse planter quoi que ce soit. Ils voulaient pas prendre de risque, c'est juste mettre leak sur les PC et c'est tout. Plus le retour. Du coup, ils m'ont pas laissé record. Donc j'étais un peu déçu, mais bon, c'est pas très grave parce qu'il y a quand même le stream. Et en gros. L'audio c'était ça tout le temps en fait. C'était en mode ça partait en couille en early et après c'était tous les fights qu'on gagnait, ça gueulait comme des cons. Mais en vrai c'était fait. Un allié a été tué. Alors, faire ça. Oh, nice. Normalement il s'en sort. Donc le snare est pas passé. Ok, propre. Oh, fais chier cette fois. Je défends la tour. Oh, fais chier le creep, sérieux? Ah, je sais pas, peut-être. Ah, Jhin avait pas son ultimate. Je pense qu'il avait le tien, on aurait pu défendre la tour. Ça y'a personne qui vient chercher le rouge. Je suis très déçu. Oh. Nice. Allez, il meurt du raid, il meurt du rouge 100%, il meurt. Gonache. Genre il avait red buff plus red main sur la tronche, c'était le décès pour lui 100%. Ok, alors ça par contre c'est vraiment de la merde ce que vient de faire Tekkench. Ce que vient de nous proposer Tekkench c'est vraiment mieux. Merci. Non, crache-moi là, SNP. Attends l'exhaust. Ok. Non, on peut pas retourner là, je sais pas. En fait, le fait que Tamkench ne tanque pas la bouboule pour l'autre, c'est pas ouf. Ouais. Non, on devrait back non. Ils ont pas Nashor. J'ai combien pour ma Malmortius? Ok. J'aimerais bien one shot ma Malmortius si possible. Non, on peut récupérer ça par contre. On a ward. Ouais, on a encore la ward pour 50 secondes.
faut qu'on s'en gaffe quand même, on est pas si bien. Le fait qu'on soit que des personnages squishy pour la majorité, ça rend les fights très volatiles quoi, et ça se joue aux mécaniques, donc faut pas prendre la confiance. Après le time catch, le petit time catch le met quand même vachement bien. Ok, par contre, son dragon de feu, c'est le feu. Littéralement. C'est un mauvais jeu de mots. En fait, bon, j'aurais peut-être pas dû prendre. Après, tu m'iras, le plus vite j'ai mal marqué, le mieux on est. C'est un gros power spike. Oh, ils vont se faire catch, faites gaffe, ok. Je prends ça et j'arrive. Ok, nice, on est niveau 15, tout le monde est niveau 14, 13 en face. GP est 15 aussi, on est archi bien. On est archi archi bien, j'ai même Mortius. Let's fucking go, man. Oh, après Katarina, comme carry. Boom! Let's fucking go, man! Pas besoin d'un décarry pour gagner cette putain de game. Trop facile. C'est vrai qu'on peut, on peut un peu large, on a le temps normalement. Ou alors on peut faire un catch, au choix. Dégager leur vision. On va voir si on peut choper un mec ici. Papa. On va voir si Jace passe. Oh sérieux, ça me stun? Non! Mais d'où, putain! Bon ok, stream à 100%, ça dégoûte, putain. Oh, sur la protection du bleu, c'était... Sur la protection du bleu, c'était douteux, mais genre là, oh, là ça dégoûte 100%, putain de merde, quoi. Ouais, c'est pas grave, c'est la vie. En soit, ça va, mais ma team, au moins, ça va. En gros, si sur ce timing-là, ma team était bot, on perdait le lâcheur à 100% et ça dégoûtait, quoi. Ok. Non. Zonia. Oh, fuck. S'il arrive à tuer le Kennen, c'est ok. Ok, ça va. Oh, le dieu. Le Q. Nice. Bon, ça va, du coup, il faut pas Nashor. Oh, ils vont le tenter. Ok. Vas-y, dépêche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Streamhack! Vas-y! Regarde le stream! Il est où ton smite? Putain! Oui! Boum! Bam! On va me grailler la Sidestone. Il me faut 100 gold. 100 gold, je prends mon AXR rouge et c'est parfait. What's next? Hey, merci à toi Jax pour mon 3014. Tu ne te fais pas voir si Ringard Ultimate? Si, 100%. Surtout là, il est niveau 16, je pense. Ah, pas encore.
Là, ça va, la range de vision de l'ulti Rengar est pas encore énorme, mais oui, genre si je suis dans la périphérie, je me fais voir. Mais là, il y avait aucune raison qu'il ultimate. Genre, ma team, ils étaient tous par là et. Genre, tu vois, juste ils prenaient la vision d'achat. Oh, close. Pas grave, je t'appelle Push. Merci à toi, Mister Seed, bro, pour ton nom 314. Obligé de donner, boum. Merci, bro, pour ce don. Oh, dommage. Oh, s'il peut tag quelqu'un. Oh non! S'il avait tagué le bardo là-dessus, ça aurait été magnifique. Oula, oula, oula. Ok, moins 1. What? Il a proto-bell ce type? Allez, tag! Nice. Go, tour, 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 tour. Bon, c'est quand même bien débile, hein. Late game, les Sinadé, vous taguez un Q sur un carry, le carry est mort 100% hein, quand vous avez le R. Oh, il avait un flash aussi? Ok. Oh non, j'ai pas tag ce Q. Oh, c'est terrible. Fuck! Le Q que je mets pas, c'est très dommage. Je sais pas s'ils vont me grade. Non, ils vont juste la jouer safe. Pas. Putain, mais oh! Ils ont des blocs triquettes partout. Ah, fait chier, mec! Le Q spell que je mets pas là sur Rengar, si je le mets, ça carry la game. Dommage. Je vais vendre ma Sightstone et je prends un GA. Ça, c'est, là on est genre on est à 35 minutes de jeu. C'est plus important. Plus important que de pouvoir dash warm. En soi là si juste je peel back je ferai un travail ok tu vois. Genre je joue autour de mes carry et j'attends si j'ai une bonne opportunité pour kick. Si Gon récupère le dragon, j'ai setup, il n'y a pas de TP. Yes, go bot. Oh non, ça se fait catch mine, ça se fait catch mine. Ici, 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 ici. Oh non, j'ai pas de ward. Oh, fais chier, j'ai pas de ward. Laisse-moi dash. Merci. Oh, elle a la balle. Nice. Un dash, un dash, un dash. Ouais, bon, ça c'est le problème quand t'as pas de size, donnez pas de flash, quoi. Je mail sur la wave mine. Je reste avec l'équipe. On peut finir là-dessus. Vite, vite, vite. Il y a Jayce Kabak. On a juste à finir. Hein. Nice. Jin a fait un super taf avec son ulti. Mec, c'est quoi cette MS de ouf? Ah, il a mangé le mauvais fuck. Aïe. Ça picote un peu quand même. Pas vous mentir. Ah! Putain, mais il a respawn lui, mais quel cauchemar! Bam, bam. Bah, du coup, on peut revendre on peut revendre la GA et racheter une Sightstone.
Ouh, c'était beaucoup trop. What? Elle a que 3 items? C'est dommage. Je pense vraiment qu'on aurait pu finir là-dessus. Ah. Press Unlucky. Genre, tu sais, dans ces moments-là, genre en fait, t'avais Tamken, GP, tout le monde dans le même paquet. Et genre, Tam, il a mangé le GP alors qu'il y avait un G1. Unlucky. Ou alors, peut-être que genre le Jin est mort trop vite. Et du coup, genre, Jin est mort, il a essayé de manger instant, mais le GP, vu que Jin était déjà mort. Ah, ouais, si c'est my bad. Genre, le go-in sur Trist était greedy. Ou alors, si c'est dur de savoir. Genre, là, on est à 37 minutes de jeu, la game c'est le bordel. Je garde pas trop la trace des Summoner Spell. C'est ma faute en soi. Je prends un camp, je back, prendre une. Ah, quoique, non, il y a ça. Après, j'aimerais vraiment pouvoir. Oh! Oh, nice! Je savais pas que. On va avoir le temps de. On n'a pas GP, on devrait pas se faire catch maintenant, ce serait bien. Allez, groupe, ne perdons pas un fight. J'ai pas envie de perdre cette game, honnêtement. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette game? Pourquoi c'est le bordel comme ça? Putain de proto-belt quoi. Pas donner le reset. Putain, fait chier quoi, on est split sperma, c'est relou de ouf. C'est ultra chiant en fait. Ce genre là typiquement, putain, on était 5 sur le spot, Ringer se faisait instant. C'est tellement tiltant. T'as un mec en vrai là. Oh putain, Kata. Bon bah ok, pff, cette game est what the fuck. La proto-belle de Bard a tellement carry. Je sais pas quoi dire les bouffes. C'est un retour à la solo queue plutôt. la proto-belle de Bard a tellement carré le fight. Genre, je voulais kick Bard sur Tristana et genre il a dash en avant, du coup je l'ai envoyé dans le mur. Qui l'eût cru? Proto-belt Bard qui carry un fight. On va prendre ça. On devrait un Ashor honnêtement. On devrait un Ashor honnêtement. Mec, Katarina avec 3 items, elle vient de tuer genre 3 mecs en 1v3, genre tout va bien. On peut se dépêcher d'aller en achat. SVP. Bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Allez, juste on groupe 5. Allez, et on gagne cette putain de game. JPP. On cover l'autre sur son rouge. Est-ce que j'ai pas récupéré son GA? Ah non, dommage. Ah, mais il l'a vendu, il a pris une Starak. Ok. Allez, on a juste à les vides. Oh! Oh! Alors, lui, je crois qu'il a bien enjoy. Ah, dommage. Allez, dodge. What? Il est parti où? Mec, Rengar est parti où? What the fuck? Allez, ça suffit. Oh, ok, nice. J'aurais bien aimé faire perdre du temps triste. Mais la back.
Oh nice, bon baril ça. Ah, par contre mes Q en late game c'est vraiment pas ça quoi. Bon, fuck. Mon early mid game était ok mais les Q en late game c'était pas ça. Hein. Terrible. C'est pas grave, on a gagné quand même. Donc on va dire que c'était GG. Faire les dégâts vite fait. Oh ça va, eh, on a quand même fait notre travail. On a fait un travail qui était quand même correct. En sachant que Lee Sin ça scale quand même assez mal.